Un important dispositif policier a été déployé ce samedi à Alger pour empêcher une nouvelle manifestation de l'opposition contre le président Bouteflika. Malgré les scissions internes, la Coordination nationale pour le changement et la démocratie avait appelé une cinquième marche en un mois et demi, bravant ainsi une nouvelle fois l'interdiction des autorités. Mais les manifestants ont été rapidement ceinturés par les forces de police. Saïd Sadi, ici à l'image, a même été contraint de quitter les lieux. Le chef du RCD, le principal parti de l'opposition, a été pris à partie par des contre-manifestants favorables au pouvoir en place. Ces derniers ont défilé également dans les rues de la capitale, arborant des portraits du président algérien et criant « Bouteflika n'est pas Moubarak ». Une certitude, la contestation n'est pas morte en Algérie, mais tout le monde dans les rangs de l'opposition s'accorde à dire qu'il faudra du temps. L'impressionnant dispositif policier mis en place ces dernières semaines pour tenter de la réduire à néant n'a lui que très partiellement fonctionné. Fait inédit, les maires de nombreuses communes ont décidé à leur tour de battre le pavé. Farouk Attig, Euronews, Alger.